Gwani vizyon pete an dan klas boujwa, pendant ce temps les États-Unis ap chauffé di fè on bon nan tèt Ariel Henry pou mete eleksyon sou pye, Dimitri Vorban, Reginald Boulos ak res klas boujwa yo nan gwo problèm kote nan pale a la, gato asemble mal separe, chak nèg yo deja fè yon wout pral gen gwo lobo par rapport ak sa gen yo la. Pou bonjou, bonsoir tout moun, mwen kontan ansanm avèn, jodi a ankor nou la, Sofia TV 83, se yon gran plezi, a chak fwa gen posibilite pou te informasyon pou ou, rete la pou ko deplase men nouvè la nan bon janti mamit. Yo lome 50 juj, Jovenel te getan di se de juj korompi, e se sistem nan menm ki pa bon, menm si yo fè konen genyen 42 ki rete la don, Jodia, se klas boujwa ki divize, pendan se tan yo voye 32 la dan yo ale, men gen lot moun ki fe konen si sem nan toujou ete vivan, e se klas politik la kap frapi red, Ariel, ap makel pa sou plas, Etats-Unis ap chofe dife, e anyen poko ka fet, pendan se tan yo ta dwe estale, 3 mam konsey saj la, jan yo fe konen lan ki gen nan tet li, Madame Maniga. La mandi kle ak Diego Chal soti la kay Don Kato, la kay Dimitri Vob ak Bourgeois, e se men moun sa yo tou ki fè complot pou touye Met Doval, pandan tou yo fini ak Jovenel Jean Konel. Pa gen an pil tan, an ali. Stanley Dika, sou tout denye nouvel yo sou Sofia TV 83, sou pou kon fè sa, abone ansanm avè nou, kon son pa prate oke video, nou pral poste sou Chanel Paola. Desisyon sa yo kap pren la, e tout debat kap fè pla yo. Ou est clairement qui sa objectif politique yé. C'est pour venir renforcer le système baisé sous CA qui touille le président, le système qui touille le Jean-Baptiste, le système qui touille le métier à mettre Doval. Je veux dire, nous est clairement, Dimitri va impliquer directement dans touille mettre Doval. On va regarder tout le monde qu'on est déjà. Maintenant, laisser frapper entre Negio, nous venons clairement que Negio compte tout à fait. Allez, Dimitri, vous avez dit qu'on est. Tout ça n'a pas dit depuis 18 mois là, entre eux, c'est dans Goumen, les Goumen là, nous venons éclairer là-dedans. Bon, c'est des gens qui ont des doutes, des gens qui ont des doutes, qui n'ont pas des doutes encore. Les gens qui ont tué Messi, les gens qui ont tué Doval, ils ont même encore qui ont tué Jean-Baptiste, c'est même les gens qui ont tué le président. Même les gens qui ont tué tous les quatre personnes. Deuxième bagaille qui est important, toujours dans le cadre de soi discuter là. Président pouvoir judiciaire, Maître René Sylvestre, monsieur Dabral mette 70 juges dehors dans le pouvoir judiciaire après enquête qu'il a fait. Parce que il a fait une enquête et il y a 3 catégories de juges que Dabral mette dehors dans le pouvoir judiciaire. Juge qui est cabinet d'avocat. Le juge ou pas qu'il y a un cabinet d'avocat, ça veut dire à la fois juge et parti. Dabral mette juge ça dehors. Deuxième catégorie, juge qui va le mettre dehors, c'est juge qui a fait politique. Et troisième, le juge ou pas qui a fait politique, sous besoin de faire politique, ou obligé de démissionner comme juge. Troisième catégorie, que président pouvoir judiciaire, Maître Nel Sylvestre, qui va le mettre dehors dans le pouvoir judiciaire, c'est juge qui est en corruption. Monsieur, qui va le mettre 70 juges dehors. Moi-même, tu es au courant. En vain, monsieur, qui a mis des juges dehors dans le pouvoir judiciaire qui est en corruption, il a tué monsieur. René Sylvestre, c'est tout ou tout. Donc, je veux dire, le CSPJ doit consacrer, lui mettez 32 juges dehors, mais il est sous bluff. Il dit qu'il y a au moins 43 juges encore en dedans qui doivent révoquer. Parce que total juge là. Vous dites, normalement, yo mette 32 dehors, ça veut dire que ça, c'est pas rien yo fait. C'est pas rien yo fait. Parce que l'Emmet Sylvestre là, comme président pouvoir judiciaire, monsieur était identifié 72 à 75 juges qui ont été mettre dans dehors dans le pouvoir judiciaire pour 3 raisons. Première raison, juge qui a un cabinet d'avocat, parce qu'il y a une incompatibilité, ou pas qu'à trancher son CIDK et en même temps, il y a un cabinet d'avocat qui sous cas. C'est corruption que lié. Deuxième catégorie, c'est juge qui n'a corruption et toi. Troisième catégorie, juge qui t'a fait politique. Monsieur Dabral mette entre 72 et 75 juges dehors dans le pouvoir judiciaire. Et pour son jeu communiqué, il était fait le 8 février 2021
après Joseph Mécène a laissé faire tentative coup d'état pour tout le président et puis Invikel da Brésil a laissé tout le président tout. Donc je veux dire à l'CSPJ il était 32 juges dehors et il y a à peu près 43 44 ans dedans. C'est assassin, voleur, corrupteur, capgouma, corrupteur pour qui est-ce qui a influence. Ça dit qu'on parti on était de... Pardon? C'est même eux même non. C'est même eux même dans capgouma entre eux. Ça dit que par exemple mon avocat qui t'a parlé là, il dit qu'on saqué et l'autre juge qui connion. Il en corruption. Monsieur bon plusieurs juges qui étaient dans le système dans la corruption. L'autre juge unité. Il y a une corruption qui fait dans ce semaine. Personne ne va dire rien sous lui. Personne ne va dire rien sous corruption qui fait dans ce semaine. Est-ce qu'on a souligné corruption? C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre. Regardez. Juge qui a géré dossier assassinat président Jovenel Moïse. Là. Mm-hmm. Juge Walter Wilfer Voltaire. Mm-hmm. Son juge unité qui est lié. OK? C'est la partie unité, même partie avec Ariel Henry, John Joel Joseph, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Badio Joseph. C'est la même partie Mounsaïo qui est sorti. Mm-hmm. C'est lui qui a géré dossier président Jovenel Moïse, l'assassinat. Mm-hmm. Où là, nous qui t'aimons comment, Yokembe, bientôt, dans ce ministre de la Justice, c'est lui qui mettait à travers Ben Saint-Ville juste à ce dossier. Qui est-ce qui convoque Beto Dossé pour trafic ZAM? Lundi qui se passe, mardi qui se passe là, même si jouait ses Voltaire qui n'a imité avec lui. Même lui, même non. Elle dit que. Même lui encore. Elle dit que même Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Ariel Henry, n'a imité ça, qui contrôle le pouvoir judiciaire. C'est vous qui mettez juste sous dossier président Jovenel là, pour l'innocenté, bientôt, vous remettez le dossier. Qui est-ce qui remet le dossier? T'as des corruptions toujours. Ou est premier livre corruption à Walter Russell Voltaire, deuxième livre corruption avec Beto Dossé, bon, troisième livre corruption. Pour qu'on va bouger là. Et. Qui est-ce qui doit rien? Allô? Comment parler? Ya, bah, il y a un viré les dinosaures. Ok. Qui est-ce qui doit un tribunal première instance? Qui remette juge Walter Wessel Voltaire dossier bête ou à l'innocenté là? Qui est-ce qui Chavannes Etienne? Chavannes Etienne, son juge, car il est nommé. Le 5 février et le 5 janvier 2022. Quand il y a Ariel Finnomel comme juge le 5 janvier 2022, un mois après, Ariel Bertodos et Aben à Saint-Ville, t'as laissé mettre monsieur sous président, comme juge d'instruction sous dossier président Jovenel Moïse. Quand il y a l'air nous vient montrer qu'il y a un conflit d'intérêts, t'as veut dire que Ariel Henry qui est impliqué dans tous les présidents, c'est lui qui nomme un juge. Chavannes Etienne, et puis Bernard Saint-Ville a pris même jusqu'à Ariel nommé pour aller enquêter nos assassinats qui Ariel impliqué là-dedans. Donc, depuis des conflits d'intérêts, ou pas qu'à mettre un juge sous dossier, ni Bernard Saint-Ville, ni Chavannes Etienne, pas de accepter ça du tout. Depuis accepter, malgré un conflit d'intérêts, ça veut dire qu'on confie pour le cas. Café fait couvrir ça. Quand il y a tout le monde levé campé de Chavannes Etienne comme juge d'instruction, il y a un conflit d'intérêts à Ariel qui était nommé, qui est obligé de courir déporter tête lui. C'est même Chavannes Etienne, ça a eu prêt, il mettait droit à un tribunal première instance qui a supervisé le travail. Juge Walter Wilfer Voltaire, ni dans le dossier assassinat président, ni dans le dossier et tout dossier là. Est-ce qu'on a un niveau corruption judiciaire? Superviser ou détourner? Bon, non, rôle légal, c'est superviser le travail tout juge d'instruction. Mais je mettais là avec une mission politique très claire. Innocent et Beto, enterré de ces jours-là. Kounia, pour montrer continuité de corruption,
sanctions que on prend au niveau international contre Beto Dossé. Je prends sanctions sur lui pour trois raisons. À regarder les documents. Première raison pour trafic d'armes. Deuxième raison pour trafic de drogue. Troisième raison pour implication dans tout le président. Ça, c'est un élément nouveau que le Canada a nous. Pour implication, monsieur, dans tout le président. Donc, ça veut dire que connexion nous avons cherché à avocat Sojourner, avocat Dimitri Vob, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, qui est impliqué dans tout le président. Je mettais avocat et mini-justice. Même avocat, ça, mini-justice, qui n'a trafic d'âme, qui n'a trafic, qui n'a gang et la trié dans le drogue. Nous venons découvrir que je suis impliqué tout dans tout le président. C'est pour ça que je mettais mini-justice. Donc, question de négabou et si vous êtes dans le genou, à 32 personnes qui révoquent, c'est maman-là la petite. Tout gros juge corrompu, il y a à peu près 43 qui étaient dans le système. 43 qui fait ça fait yo. Allez, il y a 32, il y a 43, 44, plus oui, mais il y a au moins 43 qui étaient dans le système. Qui veut dire que nous avons une corruption pire toujours. Il y a PC et corruption judiciaire. Il y a un nettoyage, mais au fond, ce n'est pas vrai. C'est juste surface. Ça qui n'est pas d'accord avec vous. Hein? Ça qui est en désaccord avec vous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Allez, dit un d'un, ou tu as deux, trois camps assassins, et puis, vous mettez deux camps dehors, et puis, vous mettez une unité avec contrôle par eux. Les il y a un réseau païen en dedans. Dimitri a Jean-Marie Vob renforcer le réseau païen avec Ariel Henry en dedans. Non seulement il n'y a pas protéger tout crime économique oligarque, il a laissé enterrer le dossier président Jovenel Moïse. Il a préparé tout pour y aller démonter avec toute corruption, structure de corruption judiciaire qui est mise dans la justice. Prochain président capable de sortir dans l'élection, il n'y a pas de diriger tout. Il veut dire que si nous comprenons bien, c'est quoi qu'un cercle, il y a PCE fermé, Stanley Lucas, parce que yon même but premier, yo, parce que en même temps, nous avons plusieurs policiers qui ont tombé tout. Donc, but premier, yo, c'est tout le monde qui était aux alentours, le président Jovenel Moïse était assassiné, tout le monde qui était au courant de ces bagages de dossier président Jovenel Moïse, il y a PCE éliminé. Yo. Donc, c'est tout fait, c'est à tout prix, vous voulez tout fait enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse, parce que si nous regardons bien, nous enquête capable de poursuivre. Parce que c'est même yo même là qui la donne, c'est même yo même là qui la. Ça dit à correct, et vous avez l'autre aspect la donne, pour protéger les gens dans tout crime économique qui implique la donne. De sortir dans CSPJ, passer dans le coup de cassation, coup d'appel, tribunal de première instance jusqu'au niveau juge d'instruction. Ou parle Ikenson et Dime, yon nan juge que vous voyez aller à, yon dit c'est Gedi Blaise qui touye Monseye Donval ou Dimitri Vob. A dit tout ça nous kap dit yon nous te kè la dan yon. Oui, parce que koun yon yon ap choute sou lot. Parce que ça nous est là. Exactement. L'autre pour qu'a crembe position yo. Maintenant, yon a chuté sous l'autre yo, comme yo dit Stanley Lucas, même dans l'école, nous toujours et de sorte. Alors, yo même yo, ouais, pour yo même, nous pas faire 1 plus 1, combien le fait? Et c'est pour ça que je dis, plus que jamais, faut que nous nettoyons le pouvoir judiciaire. Parce que yon a une caractéristique de la démocratie. Il y a 7 caractéristiques, 7 potomites en bouquin. La caillou, il y a un principal autonomie qui est le régime de la loi, l'égalité des citoyens devant la loi. Avec un système judiciaire qui pourrit juste dans le jour, qui n'a pas politicien imité avec oligarque qui n'a pas imité, il n'y a pas de côté, non? Non. N'importe décision qui prend là, il conteste, il mène dans le tribunal, il vient dans le coup de cassation, il tranche, c'est fini. On va pas faire encore. Pour des contenants, mais autour. Ça veut dire que tout système judiciaire nan men yo, coup de compte nan men yo, tribunal de paix nan men yo, tribunal de première instance nan men yo, coup d'appel nan men yo, coup de cassation nan men yo, CSPJ nan men yo.
Donc, pas qu'à gagner justice pour le président Jovenel Moïse. Et si n'a le plus loin. Il y a le plus loin que ça, Sarah. Là, le plus loin que ça. Non seulement il y a essayé de bloquer justice pour le président, hein? Non seulement il y a essayé de protéger tout assassin qui implique dans le crime économique et la qualité de crime, tant que Jean-Baptiste, Netsi, avec Derval, mais en même temps, toutes ces préparations coup d'état électoral là. Parce que commissaire gouvernement avec juge de paix jouent un clé le jour des élections pour faire coup d'état électoral. Est-ce qu'on peut parler plus clair dans ce sens là? Pour le peuple bien comprendre, l'on parle de commissaire là. Pour l'élection. Jour élection, qui est capable de faire poster verbal de tout ça qui passe? Si vous avez un problème, juge de paix. Jour élection, si vous avez un problème, comme si vous avez un bureau de vote, ça bagaille ou bagaille, qui est capable de prendre une décision? Commissaire gouvernement. Donc, l'un des gens qui ont à la fois dans tout commissaire gouvernement, avec juge de paix, et avec document 21 décembre qui nous fait, côté c'est pas Jean Constitution dit vous voulez monter KEP, mais c'est Jean Payot avec ses amis Payot pour qu'elle mette 9 membres Payot dans KEP, son coup d'état électoral qui a préparé. Donc, pas de élection vraie. Non, et ça me dit que c'est coup d'état électoral. Et si nous plus loin, là, nous dit que. Système justice nan men yo. Mais gon bagay tout, pa gen parlement. Le fait que pa gen parlement, li vin jouer un gros jouet tout par rapport à ça. Est-ce qu'on a bonne explication sur ça? Non, vide institutionnel ça, l'ouvre porte pour empiler ce que fait. Et c'est pour ça, législateur, l'écrit article 149 là, li dou que si pa gen parlement, ou pa ka mete président provisoire. Si pas bien clé ça, mais vous tenez plus des autres de jouer en absence du Parlement. Donc c'est pour ça, plus que jamais. Nous ne pas trop vite pour le peuple comprendre. Si l'article 49 lundi, si pas le Parlement ou pas qu'à mettre. Oligarque corrompu avec politicien putschis pas fait coup d'état pour aller mettre moun à travers accord pour aller mettre président dans palais national constitution en article 149 là il mettait deux clés il dit comme ça que l'on fin tout un président c'est deux gens seulement qui a mettre un nouveau président dans palais national c'est soit peuple a voté dans l'élection ou bien bon l'autre élection qui fait au second degré de parlement de comme pas gain parlement. Ou pas qu'à mettre président provisoire. Seul sans qu'on qu'à mettre président en couléa, c'est à travers des élections que le peuple a le voter. Et c'est pour ça, dans l'article 51, là, il dit, en attendant que l'élection en fait, son premier ministre avec cabinet ministériel là, qui a dirigé le pouvoir exécutif là. Et c'est ça qui fait que. Vous voyez, de bon côté, à partir de 7e mois, 6e mois, 7e mois, 8e mois, 11e mois, 13e mois, ouais, pression n'est que t'as fait. Bien 4 ou 6 mois de ça, pour vous mettre un président provisoire, lorsque vous craignez. Par exemple, les fruits de Jot, vous avez fait coup d'état, vous avez fait gagote. Vous devinez avec quoi faire président provisoire qui parle en constitution. Et c'est pour ça, il a laissé faire accord. Et vous savez, tous les Jean-Baptiste, pour vous signer accord 21 décembre, parce que accord 21 décembre, a PC met en veilleuse constitution, il n'est pas capable. Et c'est pour ça, vous avez que, dans accord 21 et décembre, non, mon paquet de bagailles qui vous mettez qui parle en constitution. Donc, si vous même. Et vous avez une confrontation inévitable. Et tout le monde qui a fait ça, l'autre, tout le monde ensemble. Vous regardez trois politiques qui nous ont dans le pays, en fonction des résultats, 5 ou 6 dernières élections que nous faisons, tout le monde qui a fait gagote ça, il va représenter 6% de monde qui a le vote en Haïti. Ça n'est pas préparé là pendant une élection, son coup d'état électoral. Si vous avez préparé l'élection, vous avez monté un KEP conformément à la Constitution. Constitution claire, il dit même le secteur qu'on doit demander de voir les gens dans le KEP. Le fait même que vous n'avez pas appliqué la Constitution dans le KEP,
ou déjà ouais c'est pas dans l'élection que vous allez c'est un coup d'état électoral. Par exemple, nouveau constitution que nèg yo vle vinn paraître avec lui là. Ou songe tout effort qui était fait avec commission indépendant côté diaspora, le secteur dans pays d'Haïti te vinn bay disons yo contribution yo, te gon premier draft qui était fait après correction et commentaire peuple là yo vinn font deuxième draft, peuple là fait commentaire encore font troisième draft jusqu'à ce que yo fait document final là. Constitution ça que peuple a préparé pour pays a pas gen problème encore. Yo mette le de côté. La commission indépendante est fait. C'est Jacques Limat avec 2 ans 1000 dans l'université qui PA qui dans unité qui a écrit une nouvelle constitution. Il vient de finir écrit déjà. Mais qui est-ce qui parle? C'est même Jean-Yves fait. Parce que ça m'a dit oui. Dans intérêt pas eux, mais pas le faire dans intérêt peuple. Bon nous on dirige. Dit que c'est ça, nouvelle constitution que Jacques Limat avec 2 ans 1000 dans l'université qui a écrit, c'est intérêt oligarque Pétionville que constitution ça va le défendre. Et c'est pour ça jusqu'à présent là où est où t'as fini écrit document pareil, y a ce qui est l'entrée mais où vous mettez dans la rue et qui nous va remettre lui les vous présenter ça est écrit à comme constitution c'est oligarque Kekril. Même Jean tout dans KPA, il va mettre madame André Michel, il va mettre conseil des monde concernant dans KPA. C'est pour ça yo pas dou KPA selon constitution, son KP selon ça yo écrit dans vieux papier yo. Les tout Jean-Baptiste.